Bonjour les enfants, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Une histoire de Lila. À la ferme, c'est le titre de cette histoire. À la ferme. Les élèves et leurs maîtres sont à la ferme. Ils observent les moutons, le cheval, puis l'âne. Elle est trop jolie, dit Lila. Omar, lui, préfère les poturons et Elio admire les melons. Il pousse à l'abri du froid, raconte le maître. Et il parle des autres légumes. Puis il regarde sa montre et déclare. On retourne à l'école. Mais Lila veut voir les poules. Marine la suit. Un œuf, dit Lila. Je vais l'attraper, affirme Marine. Elle saute par-dessus la clôture et bondit sur l'œuf. Mais elle glisse et l'œuf roule sur le sol. Marine fond en larmes, l'œuf est cassé. Alors encore une fois, les enfants, suivez avec moi, écoutez bien cette histoire. Après, je vais vous poser des questions à la ferme. Les élèves et leurs maîtres sont à la ferme. Ils observent les moutons, le cheval, puis l'âne. Elle est trop jolie, dit Lila. Omar, lui, préfère les poturons et Elio admire les melons. Il pousse à l'abri du froid, raconte le maître. Il parle des autres légumes. Puis, il regarde sa montre et déclare. On retourne à l'école. Mais Lila veut voir les poules. Marine la suit. Un œuf, dit Lila. Je vais l'attraper, affirme Marine. Elle saute par-dessus la clôture et bondit sur l'œuf. Mais elle glisse et l'œuf roule sur le sol. Marine fond en larmes. L'œuf est cassé. L'œuf est cassé. Maintenant, je vais vous poser ces questions orales, la campagne, compréhension et débat. Je vais agrandir un peu. Voilà. 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 Compréhension et débat. Où sont les élèves aujourd'hui? Où sont les élèves aujourd'hui? Où sont les élèves aujourd'hui? Très bien, vous avez bien compris. Alors, je vous demande, où les enfants sont-ils aujourd'hui? Pourquoi Marine saute-t-elle par-dessus la clôture? Pourquoi, d'après vous, Marine saute-t-elle par-dessus la clôture? Pourquoi pleure-t-elle? Pourquoi pleure-t-elle? Es-tu déjà allé à la campagne? Toi, est-ce que tu es déjà allé à la campagne? Est-ce que tu peux nous raconter? Alors, où sont les élèves aujourd'hui? Pourquoi Marine saute-t-elle par-dessus la clôture? Pourquoi pleure-t-elle? Es-tu déjà allé à la campagne? Est-ce que tu peux nous raconter? Alors, je vous laisse réfléchir à ces quatre questions. Après, on va répondre. Alors, à la ferme, voici les réponses. Alors, avant de faire la correction, je vous rappelle bien sûr l'histoire. Alors, les élèves et leurs maîtres sont à la ferme. Où sont les élèves aujourd'hui?
Les élèves et leurs maîtres sont à la ferme. Alors, bien sûr, la réponse est les élèves sont à la ferme aujourd'hui ou aujourd'hui, les élèves sont à la ferme avec leurs maîtres, bien sûr. Alors, on continue. Elles observent les moutons, le cheval, puis l'ânon. Elle est trop jolie, dit Lila. Omar lui préfère les poturons et Ilio admire les melons. Il pousse à l'abri du froid, raconte le maître. Il parle des autres légumes. Puis il regarde sa montre et déclare: On retourne à l'école. Mais Lila veut voir les poules. Marine la suit. Un œuf, dit Lila. Je vais l'attraper, affirme Marine. Elle saute par-dessus la clôture et bondit sur l'œuf. Alors, je vais l'attraper, affirme Marine. Elle saute par-dessus la clôture et bondit sur l'œuf. Alors, pourquoi Marine saute-t-elle par-dessus la clôture? Marine saute par-dessus la clôture pour attraper un œuf. Mais malheureusement, l'œuf est cassé. L'œuf est cassé. Elle saute par-dessus la clôture, bondit sur l'œuf, mais elle glisse et l'œuf roule sur le sol. Marine fond en larmes, l'œuf est cassé. Alors pourquoi pleure-t-elle? Car l'œuf est cassé. L'œuf est cassé. Es-tu déjà allé à la campagne? Est-ce que tu peux nous raconter? À toi maintenant de parler. Vas-y. Alors, j'espère que vous avez bien apprécié notre histoire à la ferme, l'histoire de Lila. Je vais vous raconter, bien sûr, d'autres histoires de Lila prochaines. Merci.